Chers collègues, après cette période de vacances qui, je l'espère, a été ressourçante pour chacune et chacun d'entre vous, nous voici à la rentrée, c'est reparti. Je le sais, quel que soit votre métier, à travers vos missions, elle sera réussie pour accueillir chaque jeune, chaque élève qui nous est confié. Que vous éduquiez, enseignez, soignez, pilotez, que vous exercez en école, en collège ou en lycée, dans les services, qu'ils soient au niveau départemental ou académique, je vous souhaite une bonne rentrée. Alors oui, elle se fait dans un contexte politique incertain, avec un manque de perspective qui peut être déstabilisant. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'entend pas le résultat qui sort des urnes. Et pourtant, nous le redisons, la stabilité ne pourra pas être le prétexte à de la continuité. À l'UNSA Éducation, nous défendons le service public d'éducation laïque. C'est notre boussole. Et faire reconnaître et respecter les agents qui le font vivre au quotidien est notre priorité. Je vous le dis, il est temps de reprendre la main. Il est temps de reprendre la main face à ce rythme effréné que nous impose l'employeur avec une intensification du travail qui le rend impossible. Il est temps de reprendre la main face à cette petite musique qui vient discréditer l'école dans l'opinion publique. Reprendre la main pour faire parler des vrais sujets, nos préoccupations, les urgences pour vos métiers, que ce soit le pouvoir d'achat, l'impact de l'intelligence artificielle, le travail à faire sur le climat scolaire ou l'école inclusive. Tout au long de l'année, vous pourrez nous retrouver sur ces sujets pour vous accompagner. Nous serons à vos côtés, à travers la newsletter du mardi, des podcasts ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, il est temps de reprendre la main sur notre destin et pour cela, il faut croire dans la force du collectif. Alors encore bonne rentrée et rejoignez-nous.